Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre un problème de force centripète. Je vais te montrer la méthode à appliquer. Mais je vais surtout te montrer les erreurs courantes commises face à ce type de problème. Et j'espère que cela t'aidera à ne plus tomber dans ces pièges. Pour commencer, on va prendre un exemple. Tu as une corde au bout de laquelle est attachée une balle. Et la corde est fixée à l'autre extrémité, de sorte que la balle tourne autour du point de fixation en suivant une trajectoire circulaire. On va dire que la table est sans frottement. Donc là, on a la vue de haut. Si on regardait la vue latérale, on aurait ceci. La balle est attachée à la corde, on plante un clou au milieu de la table, et on vient fixer la corde sur ce clou. Puis, on pousse la balle, on lui donne une impulsion. Vue de côté, voici la trajectoire qu'elle va suivre. Elle tourne autour du clou. Donc ici, c'est la vue de haut, et là, la vue latérale de la même situation. Alors d'après toi, quelle force cause le mouvement circulaire de la balle? Alors la réponse souvent donnée à cette question est la force centripète. La force centripète dirigée vers le clou provoque le mouvement circulaire de la balle. Oui, ben c'est vrai, mais ça manque quand même de précision. En effet, qu'est-ce que la force centripète? Alors déjà, on ne parle pas vraiment de la force centripète, mais d'une force centripète ou de plusieurs forces centripètes. Une force centripète est une force dirigée vers le centre d'une trajectoire circulaire. Ainsi, dire que la force qui induit le mouvement circulaire est la force centripète ne suffit pas. Ce serait comme dire que la force qui compense le poids de la balle lorsqu'elle est posée sur la table est la force vers le haut. Alors oui, c'est sûr, on sait que la force qui compense le poids est dirigée vers le haut, mais ça ne nous dit pas de quelle force il s'agit. De la même manière, ici, si on répond que c'est la force centripète qui fait tourner la balle, on dit simplement que c'est une force dirigée vers le centre du cercle. Et on ne dit pas quel type de force c'est. Par exemple ici, il vaudrait mieux répondre que c'est la réaction normale de la table sur la balle qui compense le poids et empêche la balle de traverser la table. Bien de la même manière, là, on peut affiner notre réponse. Au lieu de dire simplement qu'il s'agit de la force centripète, on devrait indiquer le type de force. Est-ce le frottement, la réaction normale, attention, ou le poids? On doit piocher dans les forces que l'on connaît déjà. Toutes ces forces peuvent être centripètes, en fonction du cas considéré. Le terme centripète désigne simplement une caractéristique d'une force. Ce n'est pas un autre type de force. Et c'est là la première erreur souvent commise dans ce genre de problème. Une force centripète est une force que l'on connaît déjà, mais qui se trouve être orientée vers le centre d'un cercle, et qui induit le mouvement circulaire de l'objet sur lequel elle s'exerce. Alors, dans ce cas, quelle est cette force? On a cette corde qui est attachée à la balle et qui tire sur la balle, qui la retient. Eh bien, la force exercée par une corde tirant sur un objet est la tension. Donc là, je vais indiquer qu'il s'agit de T, la tension de la corde. Eh bien voilà, maintenant on sait quel type de force agit comme force centripète ici. Donc, la tension est la force centripète exercée. Alors attention, ne sois pas tenté de venir ajouter une force centripète. On voit ça parfois, les élèves vont bien prendre en compte la tension de la corde, mais vont imaginer qu'il y a aussi la force centripète, comme si ces deux forces étaient distinctes. Non, il s'agit bien de la même force, il n'y a pas de deuxième force dirigée vers le centre du cercle. De même que là, il ne faudrait pas compter la réaction normale plus une force dirigée vers le haut. La force dirigée vers le haut est la réaction normale. La force centripète est la tension. Bon, je ne dis pas qu'il ne pourrait jamais y avoir une deuxième force dirigée vers le centre du cercle. On pourrait évidemment avoir une deuxième corde, donc une deuxième tension. Mais si tu dessines deux forces, réfléchis bien à ce que tu dessines, au type de chacune. Si tu ne trouves qu'un seul type de force, c'est qu'il n'y en a qu'une. Le plus simple encore, c'est de ne pas appeler cette force FC. FC, en fait, c'est juste une notation, mais qui ne désigne pas une force en soi, ça désigne toute force dirigée vers le centre du cercle ou partant du centre du cercle. Il vaut mieux réfléchir au type de force dont il s'agit et lui donner le nom adéquat. Bon, maintenant qu'on a bien insisté sur ce point, qu'est-ce qu'on fait? Quelle méthode appliquer pour résoudre ce genre de problème? On a des forces dirigées vers le haut, vers le bas et vers l'intérieur de la trajectoire. Ok, allez, on va voir ensemble comment faire. Pour commencer, on va indiquer quelques valeurs connues. On sait que la balle a une masse de 2 kg. La corde fait 0,5 m de long, et la balle parcourt le cercle à une vitesse constante de 5 m par seconde.
On n'a pas donné la question. Probablement, ici, ce qu'on pourrait te demander, c'est de calculer la tension de la corde. Alors d'après toi, comment peut-on aborder ce problème? Eh bien, attention, j'ai un secret pour toi. Enfin non, c'est pas vraiment un secret. Mais on le fait comme n'importe quel autre problème de force. Autrement dit, tu commences par faire le bilan des forces, que tu vas donc représenter sur un schéma au propre, bien net. Puis, tu appliques la deuxième loi de Newton dans la direction qui t'intéresse. Alors, ok, c'est vrai, parfois, on choisit pas forcément la bonne direction. Mais c'est pas grave, si tu te trompes de direction, eh bien, tu recommences et tu prends une autre direction. Et au bout d'un moment, tu trouveras bien la solution. D'autant que la deuxième loi de Newton peut être appliquée dans n'importe quelle direction. Donc il n'y a pas vraiment d'erreur possible du moment que tu l'appliques correctement, bien sûr. Bon, ici, on va commencer par le bilan des forces. On a établi toutes les forces exercées sur la balle, mais c'est vrai qu'on les a un peu éparpillées. On va les regrouper sur cette vue, la vue latérale, car ce sera plus clair ainsi. On a déjà la réaction normale dirigée vers le haut, et le poids dirigé vers le bas. Je vais simplement ajouter la tension de la corde dirigée vers le clou, c'est-à-dire le centre de la trajectoire. Il s'agit bien d'une force centripète. Et maintenant, on applique la deuxième loi de Newton. Donc, quelle direction penses-tu qu'on va prendre? Réfléchissons à ce qu'on cherche. On cherche la tension. Donc, même si on peut appliquer la deuxième loi de Newton à la direction verticale, on n'y gagnerait pas grand-chose, car la tension n'a pas de composante verticale. On va donc laisser de côté cette direction. Et par contre, regarde, si on prend la direction horizontale, ou plus exactement, la direction centripète, c'est-à-dire celle qui suit l'axe du rayon du cercle. Eh bien, si on regarde la direction centripète, on va prendre en compte, dans la formule ici, l'accélération centripète. Donc, quand j'écris A qui est égal à la somme des forces divisée par la masse, si je me place suivant la direction centripète, je vais devoir faire le bilan des forces centripètes et utiliser l'accélération centripète. Je ne vais donc compter dans cette somme que les forces dirigées suivant l'axe du rayon, et je vais mettre ici la valeur de la composante radiale de l'accélération, c'est-à-dire l'accélération centripète. Et ça, on l'a déjà vu précédemment dans d'autres vidéos et dans des cours aussi. Cette accélération centripète, elle est égale à la vitesse au carré divisée par le rayon du cercle. Et puis au final, tu vois, là, c'est le seul point qui va différer par rapport au cas que tu as vu précédemment. On est toujours sur l'application de la loi de Newton, mais ici, on précise simplement qu'il s'agit de AC, parce qu'on est suivant la direction centripète. Mais en fait, c'est la même chose que lorsque tu appliques la loi suivant l'axe X ou l'axe Y. Tu mets bien AX, donc la composante de l'accélération suivant X, ou AY, donc la composante de l'accélération suivant Y. Donc au final, il n'y a pas de différence. Et puis alors, ici, quelle force je vais compter? La balle est soumise à la réaction normale, à la tension et au poids. Alors là, ce serait tentant de venir tout mettre là-dedans. Alors si c'est une erreur qui arrive assez souvent, mais non. Ici, on a choisi la direction centripète, c'est-à-dire celle du rayon du cercle. Donc je ne dois comptabiliser que les forces orientées suivant cet axe. Or, la réaction normale et le poids ne sont pas dirigés suivant le rayon du cercle. La seule force concernée est la tension de la corde, qui, comme on l'a dit, est centripète. Bon, on se répète un petit peu, mais bon, bon, c'est l'idée. On a donc V au carré divisé par L, la longueur de la corde, qui est le rayon du cercle, qui va être égal à... Eh bien, en fait, on a une seule force centripète, la tension. Mais ici, attention à ne pas oublier que l'orientation de la force joue sur le signe dans la somme. Quand on regarde la direction centripète, on va considérer toutes les forces dirigées vers le centre, vers l'intérieur, comme positives, et toutes les forces dirigées vers l'extérieur comme négatives. Mais attends, est-ce qu'une force centripète peut être négative? Oui, c'est possible. Si on a une force ici qui est exercée sur la balle vers l'extérieur, par exemple, je ne sais pas, s'il y avait une autre corde attachée à la balle de l'autre côté, eh bien, si on avait une telle force, on viendrait la compter dans cette somme, mais en la soustrayant, donc en mettant un signe moins devant. Et là, il y a une autre erreur qui est faite assez souvent. On a l'impression, en fait, qu'il y a une force qui serait dirigée vers l'extérieur du cercle. Car on se dit, quand même, cette balle, elle veut sortir de là, elle essaie de s'éloigner du centre. Donc il doit bien y avoir une force qui s'exerce dans ce sens. Cette idée-là, tu l'as peut-être déjà entendue, et tu as peut-être déjà entendu dire que c'est la force centrifuge qui essaie de faire sortir la balle du cercle. Mais non, 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 il n'y a rien de tel. La force centrifuge, ça n'existe pas. Aucune force naturelle dirigée vers l'extérieur s'exerce sur un objet en mouvement circulaire. Alors là encore, peut-être que tu vas pas être d'accord, tu te dis « Ok, mais attends, si je coupe la corde, la balle, elle va bien partir comme ça. » Et non, c'est pas ce qu'elle va faire. Si tu coupes la corde, la balle, elle n'ira pas par là, car aucune force ne l'entraîne de ce côté. Si la corde devait céder, la balle obéirait simplement à la première loi de Newton et poursuivrait sa route tout droit, à vitesse constante.
et puis elle tomberait de la table. Si on met une corde pour maintenir la balle sur une trajectoire circulaire, ce n'est pas parce qu'une force est exercée dans le sens inverse, donc c'est pas pour venir compenser une autre force dans le sens opposé, mais c'est parce que la balle veut garder la même vitesse. Elle a de l'inertie. Elle essaie de continuer à aller tout droit à vitesse V. Mais la corde est là pour l'obliger à changer constamment la direction de son vecteur vitesse. Ainsi, bien qu'on entende souvent qu'il y a une force centrifuge qui agit naturellement sur tout objet en mouvement circulaire, eh bien ce n'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, revenons maintenant à notre formule. On va terminer ici. On avait donc dit qu'on avait la tension comptée positivement, et on la divise par la masse. Eh bien, je peux déterminer maintenant la tension T. Je multiplie des deux côtés par M, et j'obtiens que la tension est égale à la masse fois la vitesse au carré, divisée par la longueur de la corde. Je peux faire l'application numérique. 2 fois 5 au carré divisé par 0,5, ça nous fait 100 newtons. Donc la tension, qui s'avère être la force centripète dans ce cas, est égale à 100 newtons. Ok, j'avoue, là, on a passé beaucoup de temps pour un problème plutôt simple, mais l'idée, c'était de poser toutes les bases, et je voulais te signaler les pièges à éviter. Mais l'essentiel, là, c'est de retenir cette méthode, car cette méthode fonctionnera toujours, même dans un cas plus compliqué. Et je te l'assure, tu auras des cas plus compliqués, malheureusement. Donc ce qu'on va faire, c'est d'essayer maintenant de mettre en pratique pour voir ce que ça donne dans un autre cas. On va prendre un vélo qui roule sur une colline, une belle colline circulaire. La ligne ici représente la route. Au début, tout va bien, le chemin est plat, puis ça se corse un petit peu, on doit grimper et redescendre. La colline correspond en fait à un arc de ce cercle-là, dont le rayon est 8 mètres. Le vélo et la personne qui conduit, le ou la cycliste, ont une masse totale de 100 kg. On imagine qu'ils avancent, donc que le système, on va appeler ça le système, donc le système vélo-cycliste, avance à une vitesse de 6 mètres par seconde. Et voici la question que l'on se pose. Quelle est la réaction normale exercée par la route sur le système vélo-cycliste au moment où il passe au sommet de la colline? Bon, c'est pas très conventionnel, mais je vais en fait d'abord te montrer ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en fait, c'est un peu ce que la plupart d'entre nous auraient envie de faire pour résoudre ce problème. En fait, on aurait un peu tous envie de dire que la norme de la réaction normale, son intensité, est égale à celle du poids, c'est-à-dire mg. Mais en fait, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que si les forces exercées sur un objet se compensent, c'est-à-dire si on est à l'équilibre des forces, eh bien son vecteur vitesse sera constant. Ça, c'est ce que nous dit la première loi de Newton. Donc cet objet qui avance vers la droite continuerait d'aller vers la droite et en gros, décollerait de la route. Bon oui, ok, on est d'accord, hein, ça a l'air sympa comme sensation et ça a l'air assez fun. Mais non, c'est pas ce qu'on a ici, car le vélo, lui, descend la route. On a quelqu'un qui roule tranquillement, qui monte sa colline, qui descend tranquillement. Donc le vélo reste bien accroché à la route. Une fois le sommet passé, il accélère vers le bas. Donc la force dirigée vers le bas doit être supérieure. Le poids devra être supérieur à la réaction normale. Car dans le cas contraire, le vélo va décoller. Ok, mais comment résoudre ce problème? Eh bien, on va reprendre notre bonne vieille méthode. Bon, pas si vieille parce qu'on vient tout juste de la revoir. Quoi qu'il en soit, on fait le bilan des forces. Bon, ça c'est déjà fait. On a vu qu'il y avait le poids et la réaction normale. Puis on applique la deuxième loi de Newton selon l'une des directions. Ici, on va choisir la direction verticale. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, au sommet, eh bien, c'est la direction centripète aussi. Et oui, regarde, c'est la direction du rayon du cercle. Et comme je me trouve sur la direction centripète, je vais appliquer cette formule, celle avec l'expression de l'accélération centripète. Maintenant, là où il faut faire attention, c'est de comptabiliser uniquement les forces centripètes et de les comptabiliser correctement. Je te rappelle, on ajoute les forces dirigées vers l'intérieur et on soustrait les forces dirigées vers l'extérieur. Donc là, on va comptabiliser nos deux forces, car toutes les deux sont orientées suivant le rayon du cercle. En revanche, on va mettre un plus devant le poids, car il va vers le centre, et on va soustraire la réaction normale, car elle va vers l'extérieur. Là, ça peut te paraître un peu bizarre, parce que c'est vrai que souvent, le poids est compté négativement, du fait qu'il est dirigé vers le bas. Mais comme ici, on est dans un cas où on s'intéresse aux forces centripètes, quand on fait le bilan des forces centripètes, on regarde si elles sont orientées non pas vers le bas ou vers le haut, mais vers le centre ou vers l'extérieur du cercle. En l'occurrence ici, le poids est une force centripète comptée positivement. Et enfin, on divise par la masse. À partir de là, on peut isoler Rn, on multiplie des deux côtés par m, on va passer Rn de ce côté, puis V au carré divisé par R ici, et on obtient Rn égale à
mg moins mv au carré divisé par r. Ensuite, on fait l'application numérique. 100 fois 9,8 moins 100 fois 6 au carré divisé par 8. On obtient 530 newtons. Donc la réaction normale exercée par la route sur le système vélocycliste au sommet de la colline vaut 530 newtons. Et tu vois, ça confirme ce que je disais. Ce n'est pas égal au poids du système, c'est inférieur au poids. Le poids, oui, tu sais, c'est m fois g, donc c'est 980 newtons. 9,8 fois 100. Le système vélocycliste est donc soumis à une réaction normale inférieure à son poids. Mais si tu sais, ça, c'est cette sensation assez courte, mais que l'on ressent lorsqu'on passe sur un dodane en voiture. Tu sais, t'as un peu l'impression que ton estomac se soulève comme ça, comme dans une montagne russe. Bon, je sais pas toi, moi quand j'étais petite, j'adorais ça. Mais en gros, à ce moment-là, t'as l'impression d'être un tout petit peu plus léger pendant une fraction de seconde. Et donc, bah, en fait, c'est ça ici que tu vois. Bon, après, il ne faut pas aller trop vite non plus, car passer une certaine vitesse, la réaction normale, eh bien, elle va devenir nulle. Regarde ici dans la formule. Plus V augmente, plus V carré augmente, eh bien, plus cette quantité-là qui est soustraite va devenir grande. On va arriver à un moment où ces deux valeurs vont s'annuler. Et Rn sera égal à 0. Et alors, le vélo va décoller. Bon, en tout cas, fais toujours attention quand tu roules sur une colline. Tu vois que si tu arrives trop vite, ça va finir en vol plané. Et ça va aussi faire mal. Bon, là encore, je parle un petit peu d'expérience. En résumé, pour résoudre un problème de force centripète, tu dois faire le bilan des forces, puis appliquer la deuxième loi de Newton à la direction adéquate. Lorsque cette direction est la direction centripète, c'est-à-dire celle du rayon du cercle, l'accélération sera l'accélération centripète, donc V au carré divisé par R, et les forces comptabilisées dans cette somme seront uniquement les forces radiales, orientées suivant le rayon du cercle. Attention, les forces dirigées vers le centre du cercle doivent être ajoutées, les forces dirigées vers l'extérieur du cercle doivent être soustraites.